Zombie apocalypse. Hello tout le monde, hello les amis, c'est Fred Dugno, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle carrière. Donc on a fait la carrière Anderlecht qui se passe plutôt bien là, vous avez l'air de kiffer là sur la chaîne. Alors j'ai décidé de faire une deuxième carrière, une carrière secondaire, mais une carrière un peu particulière, une carrière joueur. Voilà, donc là on n'est pas manager, on est juste joueur. Et comme vous le voyez en haut à droite, on a choisi qui? On a choisi Eden Hazard. Et ce n'est pas du tout un hasard les amis, parce que ceux qui me connaissent savent que Eden Hazard c'est mon joueur favori. On l'a fait l'an dernier sur le 22 avec Eden Hazard, on a fait quelques épisodes. Mais là, on a fait une toute nouvelle sur le 23, sur la version PS5. Et là, du coup, on voit qu'il y a plein de nouvelles options. Voilà, ça a l'air incroyable cette année, le mode là. Parce que je vois que j'ai une décision à prendre. J'ai la boutique avec, je peux acheter des objets et tout pour mon personnage. Je peux acheter un matelas hybride. Je peux acheter une loge VIP. Je peux participer à un cours sur le RP. Je peux acheter des cravates en soie. Je peux commander un costume hôte. Je peux faire un don à des refuges pour animaux. Je peux acheter un ensemble stéréo haut de gamme, installer une piscine à la maison. Donc on a plein de trucs disponibles qu'il faudra acheter au fur et à mesure, je pense. On a des avertissements aussi. On peut saluer nos équipiers. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va saluer nos équipiers. Voilà, tout simplement. Alors dites si vous êtes prêts, motivez les équipiers ou travaillez dur dès maintenant. Salut tout le monde. Attends, on va commencer par le premier. Ils disent quoi? Ils disent, dites sur les réseaux sociaux que vos équipiers savent que vous êtes prêts à les défier et qu'ils ont intérêt à être à la hauteur. Motivez les équipiers. Envoyez un message au groupe de discussion des joueurs en disant que vous êtes hâte d'accomplir de belles choses ensemble cette saison. Saluez tout le monde, mais ne perdez pas de temps à vous disperser. Vous avez du pain sur la planche pour intégrer les titulaires. On va dire ça parce que Eden Hazard, pour l'instant, il est remplaçant. On voit en haut à gauche, là, Ancelotti, les amis sur le banc. Donc, on va dire à tout le monde que on est là, on veut notre place de titulaire. Ça, Vinicius, on lui met un peu la pression à Vinicius dès le départ. Voilà. Alors en boutique, on a quoi? Payer les frais de transport, acheter un matelas. Bon, on va commencer par le premier tout simplement. Hein. Hop, voilà. Investissement. Ouais, ça, on a fait. Ok, ça on va passer. Alors c'est quoi ça? Niveau 1, point de personnalité 70. Solitaire 0%. Ouais, ça a l'air un peu plus travaillé que sur l'autre FIFA, la carrière joueur. Et ça c'est une bonne chose parce que nous c'est ça qu'on veut. On veut que ça soit un peu refait. Alors Eden, c'est bien de voir que tu t'épanouis et que tu réalises de belles choses dans ton club. Après avoir vu un match dernièrement, je me suis dit qu'il fallait que j'évoque avec toi quelques pistes intéressantes sur le plan financier. J'espère que tu es d'accord pour dire que nous avons toujours su te donner des conseils avisés par le passé. J'espère aussi que tu nous feras confiance aujourd'hui et demain. Tu as les reins solides financièrement, mais à ce stade de ta carrière, tu as peut-être envie de prendre plus de risques. Bien sûr, tu pourras perdre de l'argent si les marchés ne réagissent pas comme prévu. Mais si tu prends les bonnes décisions, tu pourras être définitivement à l'abri pour profiter pleinement de ta retraite ou de ta future carrière. Je t'ai joint quelques idées d'investissement et je pense qu'on devrait prendre le temps d'en parler ensemble dès que tu es prêt et ça me ferait plaisir de te voir. Cordialement, ton agent. Ok. Ah ouais, il faut que j'investisse dans des trucs. Application de téléphone, équipe e-sport, ligne de vêtements. Investir dans l'équipement sportif. On va commencer par le premier. On va faire une équipe e-sport. Voilà. Allez, on va faire un petit entraînement là pour Eden Hazard. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va lui mettre geste technique. On va lui mettre un petit tir aussi. Les coups francs. On va lui mettre. Centre au millimètre. On va lui mettre plein de trucs là parce que dans les suggestions il y a quoi? En défense on a rien besoin de mettre en défense. On va pas jouer défensif avec Eden. Ah là notre note remonte là. Parce qu'on s'est entraîné, notre note remonte un petit peu. On peut ajouter une session. Ah mais
Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On me l'a tout mis en fait, on peut plus mettre grand-chose, hein. Mettre de la défense, mais ça m'intéresse pas trop. On va le mettre quand même ça. Si ça peut lui permettre de monter un peu sa note. Allez, on va mettre ça. Allez, on voit qu'en haut à gauche, là, la petite barre, elle est un petit peu montée. Alors, on a un match amical contre Chelsea. Un petit match amical. Face à Chelsea. Est-ce qu'on va jouer? Non, je pense qu'on sera sur le banc. Hein. Je pense qu'on sera sur le banc. Ouais. Ah non, on est titulaire. On est titulaire, on va le jouer ce match, c'est parti. On monte à la 75e, on remplace Rodrigo. On remplace Rodrigo, ouais, donc on était sur le banc, mais on remplace Rodrigo à la 75e. Allez, on va monter. Et le changement donc autorisé par l'arbitre pendant cet arrêt de jeu. Un changement, ça peut les aider. Ça va apporter une perspective nouvelle pour prendre l'avantage. Mendy. Vinicius. Eh oui, la bonne passe en profondeur. C'est pour Eden Hazard, bien servi. Parade Oh, miraculeuse, dommage! quelle belle intervention! Quelle maîtrise, quel sang-froid! Ce face-à-face brillamment apporté permet de maintenir son équipe à Ah, hauteur. j'aurais dû marquer. Tirer ce corner. Ah ouais, donc là on a moins 15 en notre manager. Donc il n'est pas content de nous, Ancelotti. Pourtant on a eu deux tirs cadrés, on a réussi l'objectif quoi. Bon, on a un match face à Al Nasser. Là, ça serait bien de mettre un petit but quand même là, parce que contre Chelsea, on a eu des occasions, on n'a pas réussi à les mettre. Mais de nouveau, on monte à la 78e. Allez, on va essayer de mettre un petit but. Le jeu interrompu. Ah, il perd ce ballon. C'est peut-être là une des dernières attaques pour le Real. Allez, Kroos, voilà. voilà. Cette égalisation dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. Et c'est donc une. Bon, on l'a pas marqué, mais en tout cas, on est dans l'action du but, quoi. Et on a pris moins 25. Ah ouais, Ancelotti, il n'est pas content. Il n'est pas content. Pourtant, on est dans l'action du but, quand même, on a contribué. Hein. On n'a pas réussi les objectifs, c'était quoi? Avoir 6-5, on a eu 6-4. Atteindre un but ou une passe D, ouais, on n'a pas eu. Et centre réussi. Ah, j'ai pas fait des centres. Bah ouais, j'ai pas fait attention à ça. Ah, j'aurais dû regarder mieux. Bon, on va faire les entraînements. C'est ça aussi, j'ai pas fait les centres. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, ouais. C'est sûrement pour ça d'ailleurs. Du coup, ouais, j'aurais dû regarder, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. La saison est encore longue. Pour l'instant, on est remplaçant. On voit, on se tue la barre à gauche là. Pour l'instant, on est remplaçant. Comme en IRL d'ailleurs. Hein. Ancelotti nous a pas mis dans ses bons papiers. Mais c'est pas grave, on a le time. On a le time. On va tout simuler. Hop. Allez, là, on remonte un petit peu grâce à nos entraînements. Allez, on continue. On a un match amical contre Manchester United. Et là, on est de nouveau remplacement. Il va falloir remonter et on remonte à la 84e. Ouais, à la fin, quoi. Ça va être vraiment chaud. D'être décisif en 5 minutes, quoi. Mais bon, on va tenter. Faible dans ce match, on en profite pour faire le changement. Changement très tardif, mais on ne sait jamais. Un petit but, ça ferait l'affaire. Lucas Vasquez, le ballon pour Eden Hazard. Et maintenant, Luka Modric. Oh, l'égalisation peut-être. Oui! Oh, le but dans les dernières secondes. Toni Kroos. Bon, on n'a pas fait la passe D, mais. On est dans l'action avec Benzema, on a combiné. Je sais pas si ça va suffire, hein, je pense pas. Hein. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est.
Bruno Fernandes. Ah, ça joue sur Luke Shaw. Et l'équipe reprend la possession. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle. Voilà, j'avais bien joué. Je l'avais fumé, Luke Shaw. On reste là. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Ah ouais, il m'a découpé. Et vu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. Remets-la moi, Karim. Attention, le bon ballon là. Dommage. Et qui va aller chercher ce ballon. Le Real qui obtient le corner et ça peut tout changer. C'est bien parti pour ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Ballon pour Nacho. Shot. Et ce ballon pour Vinicius. Et le ballon passe tout près du but. Ah. Le 6-9 de note là, normalement ça doit le faire, non? Yes, là, on a pris plus 15. Là, ça monte un petit peu. On a réussi deux objectifs sur trois. Allez, on va basculer sur une petite séance d'entraînement. Geste technique, bien évidemment. Séance de passe en profondeur. Est-ce qu'on peut encore lui mettre un peu de tir? On peut lui mettre... dribble et tir, ouais, ça peut être cool pour Eden Hazard. Et bah, c'est tout, on peut plus mettre grand chose. On va mettre coup franc direct aussi. Hop. Voilà, on a bien progressé. Voilà, on va jouer ce match contre Francfort. Espérons que on aura plus de réussite cette fois-ci. Allez, on monte. On a une demi-heure de jeu là, ça va. On a un peu plus de temps. Pour faire la différence. Donc, autorisé par l'arbitre pendant cet arrêt de jeu. Et oui, un changement qui va apporter un peu de solidité et de fraîcheur. Marquer au moins un but. Oui. Modric. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. La bonne intervention. Ballon dans les pieds. Rodrigo avec le ballon. Oh oui, oui, c'est dedans. 3 buts d'écart. Le premier but d'Eden, il est magnifique celui-là. Il est magnifique. Pop pop pop. J'ai envie de voir le ralenti là parce qu'il est... Je crois qu'on a nettoyé la lucarne. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Ouais, il est propre. Hein. Vamos, bah, les premiers trophées de la saison. Ces scènes, le podium, la coupe, les médailles, c'est toujours pareil. Mais c'est toujours différent. Et au centre, c'est le rêve, la coupe. C'est le rêve de toutes les joueuses de gagner une coupe devant leur public. Ensuite, les rires, les larmes, la joie, les selfies. On connaît tout ça, mais moi, ça m'émue à chaque fois. Oh, les Eden et Thibaut qui se lèvent le trophée. Quelle image incroyable. Oh, même voilà, si c'est un jeu, là. Même si c'est un jeu et que c'est pas réel. Il y a les moustons qui montent, là. On a envie de faire la fête là. Évidemment la folie, tout le monde se prend dans les bras. C'est ça la magie du football. Olé. On donnera autant de joie à autant de monde en même temps. Aucune. T'as le Thibaut là, il prend toute la photo tellement qu'il est long. Autour de cette super coupe de l'UEFA. Et c'est surtout une photo pour les albums souvenirs. Et donc on a une note, ouais, on a aussi tous les objectifs. Là, on a pris notre place de titulaire là, on a gagné notre place de titulaire. Apparemment. Grâce à ça, juste avant le début de la saison, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. Hein.
C'est-à-dire qu'on va peut-être débuter la saison en tant que titulaire. J'ai plus d'entraînement à faire. Bon, on va. Alors, on a un match face à. Premier match de championnat face à Valladolid. Et là, ça va être un peu plus chaud. Le premier match de championnat de la saison. Donc, on va contrôler juste Eden Hazard. Alors qu'il y a Benzema avec nous, il y a Asensio, Kroos, Modric, Tchouaméni, Fernand Mendy. J'allais dire Benjamin, mais non, Benjamin, vous savez où ce qu'il est. Il est derrière les barreaux, mon gars. Il y a Diaz, Ruben Diaz qui a été acheté au Real. Il venait de Manchester City, il me semble. Il y a Eder Militao. Il y a Pereira. Est-ce que c'est Danilo Pereira qui vient du PSG? Franchement, ça m'étonnerait qu'il soit en arrière-droit, mais bon. Il y a Thibaut Courtois avec 90 ou 90. Pourquoi j'ai 90? Moi, je suis belge, les gars. Donc, je dis 90 de général de Thibaut Courtois. C'est parti pour ce match de championnat. Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Omar Eden Da titulaire, mon gars! Silva pour commenter ce match. Place à ce match qui Alors, se je dois avoir 8 déroule de depuis notes. Ah ouais, pas de 10 minutes. Égalisation réussite, première cette saison. 55%. Éviter la Real défaite, victoire ou Valladolid nul. face au Real Madrid. Ok. Aujourd'hui, tenant du titre, tout le monde veut débattre. Toni Kroos. La bonne percée, il faut aller provoquer. L'occasion de prendre l'avantage. Benzema Voilà, s'offre le Modric. premier but, largement mérité, parce qu'ils maîtrisent complètement leur sujet. Luka Regardez, c'est Modric. magnifique cette Et passe la ratée. Karim, il aurait pu la mettre Il est lui-même bien encore. Hein. dirigé et il vient ouvrir Je toute vais la mettre la passe lucarne. D, non. Et pour Il finir a mis la l'action, passe D, au lieu lui. de dribbler le gardien, au frappé en force. C'est la grande question du duel. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah ça y est, Wolverhampton confirme tout juste le transfert, c'est fait. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Tout de suite, les chiffres ont été donnés. Voilà! Le deuxième but d'écart, le Real Madrid se Le met à premier but de l'avant. la saison pour Eden Hazard! Et on fait la petite danse là! Olé! Ça fait plaisir là de voir ça là! Voilà, Dommage, c'était la passe c'est pas en parfaite IRL. des lignes. La C'est passe une passe d'Asensio là pour parfaite. Hazard. C'est elle qui vient éliminer Le le poteau premier rentrant. rideau Un défensif. peu de réussite. Finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a On plus va pas qu'un s'en possible pour plaindre. marquer. Premier but de la saison. Là, Vinicius a du souci à se faire. Là, Vinicius, je ne suis pas sûr qu'il va jouer beaucoup. Hein. Si on joue comme ça, toute la saison. Bon, alors on a mis un but. Ouais, là, on a consolidé notre place de titulaire. On est plutôt bien. On a reçu tous les objectifs. Là, normalement, on était même élu homme du match. On a le petit trophée de l'homme du match en main là avec Eden Hazard. Donc là, tout se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Hein. Ancelotti qui est très content. Justement, ça pouvait être comme ça en vrai aussi. Ça serait magnifique. Ok, activité. On peut. C'est quoi ça? Un entraîneur décevant. Le manager est sous pression. Agitation dans le vestiaire. Passer du. Moi, j'ai pas envie de faire ça, moi. Ah, attends. Soit je fais une agitation dans le vestiaire, soit je passe du temps avec l'entraîneur, soit je suis derrière l'entraîneur. Soit je fais le lèche-botte, quoi. Vas-y, on va dire qu'on est avec lui. On l'a avec Ancelotti. Bah, pour la carrière, hein, mais en IRL, je suis pas du tout avec Ancelotti. Hein. Voilà. Demander une augmentation, ça, on ne peut pas le faire maintenant. Dans boutique, créer une salle de cinéma, financer des matériels d'entraînement, créer une salle de jeu à domicile, faire un don à des réserves naturelles, faire un don aux écoles, acheter une montre de luxe, acheter une voiture électrique, financer un programme sportif. Je pense qu'on va faire un don à une école. Comme ça, on se fait bien voir par tout le monde. Acte de charité, voilà. Hop.
Investissement, investir dans une start-up, résidence, local commercial. Ah, j'ai pas assez de sous de toute façon. Vas-y, on va prendre ça. On va investir dans un start-up. On va faire un petit entraînement aussi. Ah non, j'aurais pu faire charger la précédente. Voilà, comme ça, tac. Voilà, c'est carré, carré. Là, on est titulaire à fond, là. On voit que notre barre verte, elle est remplie à fond. Prochain match, ça sera contre la Sociedad, il me semble. Hein. J'ai bien reconnu le logo. Ouais, c'est la Sociedad. Donc, on va jouer ça tout de suite. C'est parti. Est-ce qu'on est titulaire? Bien sûr qu'on est titulaire. Allez. Contre la Sociedad, c'est parti. Let's go. Salut à tous, quel privilège d'être à Madrid dans cette enceinte mythique, le Bernabéu. Je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Et on retrouve ensuite le championnat d'Espagne avec ce duel dans la Liga Santander. On doit avoir 7,5 de notes. Face à la Real Éviter la défaite, ça s'est cadrer bien 3 passé tirs. pour le Real au premier match. Une victoire pour commencer la saison, c'est l'idéal. C'est ce que tous les supporters attendaient. Maintenant, il faut Fonseca. L'Espagne à l'honneur avec ce nouveau rendez-vous de la Liga Santander, le Real Madrid face à la Real Sociedad. Allez Karim, voilà la passe D. C'est magnifique, cette reprise de volée et ça fait but. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sortir le coup. Jouer le contre. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, c'est bien parti. Voilà la passe D. Ça va. Pour l'instant, là, j'ai mis deux passes D dans ce match, plus un but au match d'avant. Ça fait deux passes D, un but là pour la saison qui débute super bien. On a mis deux passes D. On n'a pas marqué de but. On aurait dû cadrer trois tirs. On a raté l'objectif de cadrer les trois frappes du coup. Parce qu'on n'a pas beaucoup tiré. On n'a eu qu'une seule frappe de tout le match. Mais voilà, je pense qu'on a fait un bon match quand même. Avec les deux passes D. Et ouais, je pense que on a pris plus 15. Donc c'est qu'Ancelotti est satisfait de nous quand même malgré tout. C'est ça qu'on va retenir. Hein. Activité, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Décision, victoire dans le derby, on va dire que on va rester humble. Eden Hazard, c'est un mec humble, on va rester humble, voilà. Demander une augmentation. Vas-y, on va faire ça. D'un côté, tu restes humble, mais derrière, tu demandes une augmentation, tu vois. Donc, ouais, c'est pas très bon. Acheter un appartement. Ou faire un don à un centre de formation. On a déjà fait un don dans une école. On va acheter un appartement. Ok, voilà. Ça, c'est un bon investissement pour notre joueur. Équipe e-sport, application de téléphone. J'ai déjà fait l'équipe e-sport, non? Ben, on va. Il me semblait. Hein. Bah, tant pis, on va faire ça. Hop. Entraînement. Charger la précédente. Voilà. Du coup, on va continuer. On va faire le match ici. Une note pour informer l'ensemble. Ouais, on a appelé en sélection avec la Belgique. Ok. Pour le prochain, la qualification pour l'Euro contre l'Ukraine et l'Écosse. Donc, ouais, c'est pas les vrais tirages, évidemment, vu que le tirage a été fait après la sortie du jeu. Mais je me demande pour la Coupe du Monde, est-ce qu'on va jouer la Coupe du Monde? Normalement, on devrait la jouer. Hein. Elle est au mois de novembre. Là, c'est octobre, novembre. Attends. Ah non, mais normalement, la Coupe du Monde débute le 20 novembre. Et là, j'ai un match de Ligue des Champions. Ouais, c'est chelou. C'est chelou. Je pense pas que la Coupe du Monde, elle est au mois de novembre, comme en IRL, du coup. Bon, on verra bien quand on y sera. On n'est pas encore là. Alors, on va jouer ce match
face à Séville. Ah, c'est parti dans ce fabuleux stade. Salut à toutes et à tous, nous sommes ici à Séville. Ramon Sanchez. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca avec le foot qui est toujours fidèle au poste. C'est espagnol au menu de cette retransmission avec une rencontre de la Liga Santander. On va avoir 7 notes. Séville. Atteindre au moins 2 buts ou passe décisive. Ah oui, chaud. Avantage laissé au Real après cette faute. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. A une occasion en or. Penalty. Oh, l'intervention. Oh, la faute dans la surface et penalty. Grosse opportunité de prendre l'avantage. Est-ce que je vais tirer ou c'est Benzema qui va tirer? Et non, pas des cartons. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Bien sûr qu'il y a faute, mais je me demande qui va tirer le péno. Ah, c'est Karim. Il aurait pu me le laisser quand même, hein. Voilà. Bien joué Karim. Kabenueve. Voilà. Ça c'est le penalty typique qu'on apprend dans le club de foot du quartier. Celui qui tout fait pour être sûr de marquer. Petit filet. Et donc une balle à terre pour reprendre la partie. Le match arrive bientôt à son terme. Encore quelques minutes à tenir. Pour... Revenez au jeu, regardez. Voilà Eden, le but. Voilà, on a mis un... on a croqué un penalty et on a mis un petit but ici là. Notre match il est réussi. Ancelotti, il est tout fou là. Et là, normalement, bah, le match il est plié, hein, 2-0. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et, deuxième... et du coup, là, on a pris plus 5. On consolide encore notre place de titulaire. Par contre, on n'a réussi qu'un seul objectif. On en a raté deux autres. C'était quoi? On a raté quoi? On a raté atteindre au moins deux buts. On en a mis que un. Et centre réussi, on n'a pas centré du match. Donc voilà. En tout cas, on a eu 8-1 de notes. Et Hazard est encore une fois homme du match. Plutôt cool. On va continuer avec une petite séance d'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme petit entraînement à Eden Hazard? On va lui mettre un petit peu de dribble. Main basse sur les trophées. On va lui mettre un petit peu de tir, les coups francs, briser le mur. Centre au millimètre, au coup franc direct. Oh, je vais mettre coup franc direct comme ça. Peut-être que si je les tire, il y a moyen que je pourrais les tirer par après. On va lui mettre maîtriser les angles. Et voilà, on va tout simuler. Comme ça, Ancelotti, il voit qu'on s'entraîne, qu'on charbonne. Ah, et là, on va jouer avec la Belgique apparemment. On a un match avec, avec les Diables Rouges face à l'Ukraine pour la campagne qualificative pour l'Euro. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, pour cet épisode-ci. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Si vous avez kiffé le concept carrière Eden Hazard, voilà, j'ai fait ma carrière Anderlecht, je tente une carrière Eden Hazard. Si ça vous plaît, les gars, dites-le en commentaire, mettez des pouces bleus sur la vidéo et faites-moi savoir si ça vous plaît ou pas. Comme ça, je sais si je continue ou pas. Cette saison, cette carrière avec Eden Hazard. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Je vais sauvegarder là. Je vais couper la vidéo. Et si ça vous plaît, ben, on continuera la suite, évidemment, dès que possible. Ciao, ciao, les gars. Merci à tous.